très content de vous retrouver aujourd'hui sur La Folie des Sorciers pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une ouverture de Panini Harry Potter, des petits sachets que j'ai achetés. Comment ça se présente? Ça se présente dans ces sachets comme ça, ou à l'unité, ça dépend où vous les trouvez. Celui-ci, je l'ai trouvé à Intermarché, Leclerc, tout ça, vous pouvez l'en trouver n'importe où. Ou dans les magasins de journal, librairie, tout ça, de la presse, on peut en trouver et c'est à l'unité. À l'unité, ça coûte 1 €. Et quand vous prenez des sachets comme ceci, ça dépend. Vous avez des 10 € ou des 6 €. Celui-là, c'est un 6 € et dedans, vous retrouvez 6 pochettes selon 24 stickers et 6 cartes. Voilà. Ça se présente comme ceci. Voilà. Tadam. Et on va ouvrir ça tout de suite. Bon, bah, gardez le packaging correctement, c'est pas possible. Voilà. Je vous ai déjà fait une vidéo quand, ça fait longtemps, quand les Panini Harry Potter de cette nouvelle version est sortie. Et je l'avais dit que j'en ferais d'autres, mais j'ai eu pas eu l'idée de, voilà, pas vous mentir. Quand vous les achetez dans les magasins de presse ou autres, vous les trouvez en unité comme ceci. Et un sachet coûtera 1 €, voilà. Et dedans, vous trouverez une carte et 4 stickers si je ne me trompe pas. Voilà. Ils sont super jolis. Moi, je les trouve magnifiques. Et on a tout ça à ouvrir. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bientôt, je vais vous faire voir l'évolution de mon magazine. Il m'en manque plus beaucoup. Mais voilà. Si toi aussi, t'as des doubles Panini, faire des échanges et ou qui te manque un ou deux, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou mettre un petit commentaire. Mais c'est plus facile sur Instagram. C'est un petit peu plus privé. Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker
et de t'abonner à la chaîne. Et n'oublie pas de mettre la petite cloche pour avoir toutes les nouvelles vidéos qui sortent. Je te dis à la prochaine. Bye, bisous bisous.